L'AVC, l'accident cardiovasculaire. Vois-tu, AVC, j'ai composé une chanson pour toi. AVC, je ne sais comment, mais tu es devenu mon ami, mon compagnon de tous les jours. Tu sais me rendre la vie difficile, tu as su t'imposer au cœur de la société des hommes. AVC, malgré tout, tu n'es qu'un ignoble personnage. Je ne sais qui t'a inventé, mais ce que je sais, c'est que tu es là. Tu es toujours là. Tu as décimé une partie de ma famille. Tu n'es qu'un lâche. Tu es imprévisible, tu surprends toujours les gens que tu attrapes. Et le plus souvent, c'est dans leur sommeil que tu les frappes. AVC, qui es-tu? D'où viens-tu et pourquoi une telle méchanceté? Je te comprends bien, ma fille Alice Home. Je comprends bien cette diatribe par laquelle tu as commencé pour pouvoir dire, dénoncer l'AVC. Parce que l'AVC est le premier crime que la maladie puisse infliger à l'espèce humaine. Et la pire des maladies, la pire des fléaux, la pire des formes de maladie que l'humanité puisse subir aujourd'hui, ces 100 dernières années, c'est l'AVC. L'AVC est responsable, est une hécatombe. L'AVC est responsable de plusieurs types de maladies et de plusieurs formes de maladies qui sont le plus souvent liées et à échapper le plus souvent aux formes de vie sociologiques. Pardon, Bombok. Je me suis laissé emporter par mes émotions, comme vous le constatez. J'en ai vraiment après l'AVC. Alors je ne pourrais mieux commencer ce reportage que par une diatribe. C'est tout à fait normal, Alice. Quand on sait combien l'AVC est difficile et combien l'AVC est un criminel contre l'espèce humaine. Donc il fallait bien commencer par ce genre de procès. C'est un bon procès mystique et spirituel que tu as fait contre l'AVC. Et c'est très très bien. Maintenant que je reviens sur terre, Bonbon, pourquoi parler de l'AVC quand on traite la question de la gourmandise qui est la deuxième porte de l'enfer et le deuxième péché capital? Y a-t-il un lien? Et bien entendu, l'AVC également aussi est lié à l'alimentation, donc à la gourmandise. Vous voyez pourquoi nous avons dit qu'il y a les conséquences multiples qui sont liées à la gourmandise. Vous voyez pourquoi il est urgent pour vous de contrôler votre alimentation, de ne pas manger n'importe comment, n'importe où, ni avec n'importe quoi et n'importe quoi. Non, il faut faire attention. Le vrai mystique ne subit pas l'AVC. La vraie spiritualité vous met hors de portée de pratiques ou bien même de ce genre de fléau qu'on appelle l'AVC. L'AVC est lié à l'alimentation. Il faut savoir que nous avons dit que le sang est le niveau d'élection de l'esprit. Donc, à la qualité d'alimentation répond à la qualité d'une élévation spirituelle. Bombok, ne nous cachez rien. Vous voulez dire que l'AVC est une conséquence directe de la gourmandise? Bien sûr, ma fille. Tout le monde ne le sait pas. La plupart des gens ne sont pas au courant. La plupart des gens ne savent pas que l'AVC est une des grandes conséquences liées à la gourmandise. Alors, maîtrisez votre alimentation, assainissez votre alimentation. Soyez responsable de votre alimentation. Le véritable maître n'est pas celui qui l'est pour les autres. Le véritable maître est celui qui l'est pour son propre corps. Et le véritable maître surpasse tous les appétits, surpasse toutes les faiblesses et tous les vices. Tous les péchés doivent être vaincus par le véritable maître dans son propre corps. On détruit ces péchés-là, on détruit tous les péchés, toutes les portes qui sont liées au diable. Je vous ai dit que si vous êtes malade, vous ne serez jamais fils de la lumière. Il faut donc tout faire pour tout maîtriser, tous les vices, détruire tous les vices en vous afin que vous deveniez des véritables maîtres et des véritables fils de la lumière. Alors l'AVC, vous devez le vaincre, mais en contrôlant votre alimentation, en étant responsable et puis le permettre de votre propre corps. Vous avez compris? Comment expliquer ça au grand public? Il doit y avoir une problématique concernant cet état des choses. Bon, quelle est cette problématique? On ne peut régler cette problématique à travers la connaissance parce que beaucoup de gens ne croient pas à ce que cela. Beaucoup de gens ne savent pas que grâce ou bien à cause de la gourmandise, il y a plusieurs formes de maladies qui peuvent attraper. Comme ils ne croient pas parce qu'ils ont les oreilles qui sont bouchées et ils ont des yeux qui sont fermés. Alors vous, fils de la lumière, sachez que vous devez maîtriser toutes ces choses-là afin que vous puissiez arriver à la connaissance. Seule la connaissance vous permettra de vous libérer complètement du joug du mal et du joug de la maladie. Revenons sur la question centrale, Bombok. Expliquez-nous techniquement, mais aussi scientifiquement, démonstration à l'appui, comment le fait de manger conduit à l'AVC. L'AVC est la rupture ou alors la distorsion d'un vaisseau qui va du cœur au cerveau. C'est ça qui produit l'AVC. Justement, scientifiquement, on a pu prouver que l'AVC provient donc de ça. Or, maintenant, spirituellement et mystiquement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est à partir de la qualité du sang qu'on peut éviter ça. C'est-à-dire que si votre sang est pur,
comment donc votre cerveau, comment donc votre neurone, ou bien comment donc votre vaisseau peut donc être rompu? Ou bien un caillot de sang peut simplement s'agripper au niveau de la neurone, ou bien au niveau du vaisseau, afin qu'il y ait cette rupture-là. Or, si la qualité du sang y est, il n'y aura jamais de rupture. Parce que c'est le sang qui est au niveau de l'esprit. C'est le sang qui a soit une forte pression, soit une moyenne pression, soit une surpression, soit une moyenne pression ou faible pression sur ça. Or, si donc vous maîtrisez votre sang, donc la qualité de votre alimentation, vous n'arriverez jamais à l'AVC. Réorientons notre volonté si vous le voulez bien. Vous avez dit, l'homme creuse sa tombe avec ses dents. Entendons bien par là que l'alimentation est cause de notre mort. Très bien. Ça veut dire que l'AVC est le résultat de toutes les formes d'excès liées à la gourmandise. Mais bien sûr, Alice, l'AVC est la résultante justement d'une manque de qualité du sang. Ça veut donc dire que de tous les excès qui sont liés à la gourmandise. C'est pour ça qu'il est autant urgent à l'humanité aujourd'hui pour maîtriser ce fléau qu'on appelle l'AVC, de maîtriser l'alimentation. Ce n'est pas tout ce qu'on mange qui est bon. Il y a des choses qu'on mange qui ne sont pas bonnes. Il faut savoir trouver une véritable carte diététique pour votre corps. Il faut savoir que ceci est utile, pas bon. On n'a pas besoin de goût dans le manger. On a juste besoin de l'utilité pour la vie du corps. La vie du corps a besoin d'une qualité d'alimentation et une hygiène de vie conséquente qui peuvent donc vous éviter à avoir les choses comme l'AVC. Fils de la lumière, attention, maîtrisez votre alimentation. Surtout, combattez et vainquez la gourmandise. Dans ce cas, Bombok, pour ne pas y succomber, dites-nous comment éviter l'AVC.